fusion entre le Surface Laptop, le Surface Book et le Surface Studio, le Surface Laptop Studio se veut être la nouvelle vitrine technologique de la gamme Surface. Dans cette vidéo, on va découvrir son nouveau form factor et en quoi il pourra aider les créatifs à laisser libre cours à leur imagination. On fera également un point sur la partie performance pure et on se parlera un petit peu de la symbiose avec Windows 11 et les accessoires Surface. Ici Yann d'Expert Zone, bienvenue à tous dans cette vidéo sur le Surface Laptop Studio. Déjà, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas affaire à un design typique. Hein. Il se démarque sur plusieurs aspects, notamment cette sorte de marche d'escalier juste ici sur laquelle on reviendra en détail tout à l'heure. Mais il se démarque également par une autre de ses particularités, et ça, vous le savez déjà peut-être si vous avez vu l'annonce du produit, je veux bien sûr parler de l'écran Pixel Sense Flow de 14,4 pouces, positionnable dans trois modes différents, laptop, scène et studio. Grâce à ces charnières résistantes et bien évidemment à une équipe de designers compétents, vous allez pouvoir le positionner en mode laptop avec l'écran positionné comme ceci, ce qui vous permet de travailler comme vous le feriez sur n'importe quel PC portable. Cependant, on entre dans l'inédit dès le deuxième mode, à savoir le mode scène. Il vous suffit de ramener l'écran comme ceci, le bas de l'écran s'aimante alors juste au-dessus du trackpad pour rester solidement dans cette position. Et vous voyez qu'il vient masquer le clavier. Notez au passage que quand vous faites cette manipulation, les icônes de la barre des tâches dans Windows 11 s'éloignent les unes des autres pour être plus facilement accessibles en tactile. Ici, en gros, on garde le meilleur des deux mondes, le tactile, intuitif et contrôlable directement depuis l'écran, et le trackpad pour pouvoir naviguer facilement sans avoir à décoller les bras de la table. C'est un mode pensé pour le divertissement, c'est-à-dire vos films ou séries, ou même pour le jeu vidéo éventuellement. Mais il va également être très pratique et très confortable pour travailler avec un clavier et une souris sans fil. La position de l'écran étant plus naturelle par rapport à votre champ de vision, vous adoptez naturellement une meilleure posture, et ça, si vous passez beaucoup de temps devant l'écran, c'est mieux pour vos cervicales. Et enfin, il ne s'appelle pas Laptop Studio pour rien. À l'instar du Surface Studio, vous allez pouvoir ramener l'écran à plat, comme ceci. C'est vraiment parfait pour les architectes, les tatoueurs, les illustrateurs, bref, les utilisateurs de Surface Pen. Alors vous vous souvenez peut-être du Surface Book 3 dont on se parlait dans la vidéo qui vient d'apparaître en haut à droite de l'écran, et avec lequel on avait un écran flexible, détachable, et qu'on pouvait même rattacher à l'envers, pourquoi pas, pour un mode scène plus épuré et confortable. Et bien vous pouvez tout à fait utiliser ce mode également en basculant tout simplement l'écran comme ceci, et vous constatez que Windows 11 détecte automatiquement que l'écran est à l'envers et qu'il doit donc basculer l'affichage dans l'autre sens. Le gros avantage, c'est que quel que soit le mode dans lequel vous positionnez l'écran, il reste toujours attaché au bloc PC, ce qui vous permet de bénéficier de toute la puissance de la carte graphique. Passons maintenant à la partie performance, justement. Sachez que vous avez plusieurs configurations possibles. Alors attention, il y a beaucoup de chiffres. Soit un processeur quadricœur Intel Core H35 i5-11300H de 11e génération, ou un Intel Core H35 i7-11370H de 11e génération. Le i5 est cadencé jusqu'à 4,40 GHz, et le i7 jusqu'à 4,80 GHz. Si vous n'avez pas vu notre vidéo sur les processeurs et la nomenclature Intel, vous ne comprenez peut-être pas de quoi je parle. Retenez simplement qu'il s'agit de processeurs taillés pour consommer peu, mais calculer vite. Très vite. Un processeur idéal donc pour un ultra portable gaming ou créatif. Il existe deux configurations, en 16 ou 32 Go de RAM. Constatez seulement que les configurations en i5 disposent d'une puce graphique Intel Iris Xe et que seules les configurations en i7 disposent d'une carte graphique dédiée Nvidia RTX 3050 Ti. Et pour les aficionados, il s'agit d'un modèle avec 4 Go en GDDR6. Concrètement, avec ça, aucun problème pour faire tourner Premiere, voire After Effects, et pour les plus gamers d'entre vous, d'avoir accès au Ray Tracing et à l'HDR pour vos jeux vidéo. D'ailleurs, ça tombe très bien puisque l'écran de 14,4 pouces est un écran Pixel Sense Flow, comme je vous le disais au début de la vidéo, qui dispose d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc idéal pour l'affichage jusqu'à 120 images secondes. Et surtout, c'est pour l'instant un des deux seuls écrans Surface à être compatible avec ce qu'on appelle le retour haptique. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le Surface Slim Pen 2, mais on va y revenir dans quelques instants. Et pour terminer avec cet écran, on peut ajouter qu'il est compatible Dolby Vision. Je suis d'ailleurs en train de vous écrire une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Mais dans tous les cas, je peux vous assurer que les couleurs sont vraiment à couper le souffle. Pour faire simple, il s'agit du PC Surface le plus puissant à ce jour. Et vous commencez à connaître la chanson, qui dit puissance dit bien souvent chaleur, parce que pour développer autant de puissance, les composants à l'intérieur du PC chauffent. Ça, c'est bien normal.
Mais c'est pas grave, le Surface Laptop Studio a été étudié de sorte que le processeur et la carte graphique soient refroidis de façon optimale. Vous avez ici deux ventilateurs que personnellement je trouve incroyablement silencieux, et ces sortes de conduits là à l'intérieur du PC qui font circuler l'air intelligemment, et on peut aussi ajouter cette sorte de marche d'escalier donc qui laisse apparaître sur les côtés une grille de ventilation aérée, facilitant encore plus la circulation de l'air pour un refroidissement optimal de l'intérieur du PC. Et on sent bien, quand on passe la main comme ça devant la grille, que le PC ventile bien, ce qui est bien évidemment rassurant. Puisqu'on parle de cette petite marche d'escalier, sachez qu'elle n'est pas non plus anodine puisqu'elle vous permet de ranger très facilement votre Surface Slimpen 1 ou 2, ce qui lui donne un espace de rangement très pratique pour éviter de le perdre, d'une part, et d'autant plus pratique que lorsqu'il est rangé à cet endroit, il se recharge automatiquement. Et justement, si vous avez un Surface Slimpen 2, vous allez avoir accès à ce fameux retour haptique dont je vous parlais tout à l'heure. Pour résumer, dans le Surface Slimpen 2, il y a un tout petit vibreur qui réagit au contact de l'écran PixelSense Flow, ce qui vous donne la sensation physique d'écrire sur une feuille de papier. Autre nouveauté, lorsque vous enlevez le Surface Slimpen 2 de son rangement, un menu apparaît alors avec les applications qui fonctionnent avec le Surface Slimpen. Et vous pouvez bien sûr modifier le contenu de ce menu comme vous le souhaitez. Vous allez également retrouver le retour haptique directement sur ce trackpad de précision qui, au passage, est super grand, super confortable et surtout super silencieux. Ça, c'est vraiment pratique si vous êtes amené à travailler dans les transports ou que vous travaillez avec d'autres gens à côté de vous sur votre lieu de travail. On est d'accord, hein, c'est toujours pénible d'entendre des clics bruyants sans arrêt. Ici, très honnêtement, c'est de loin la meilleure expérience de trackpad que j'ai eue jusqu'à présent, tant au niveau de la sensation de clic qu'au niveau du silence. Chut, chut, écoutez. Alors oui, c'est un PC très puissant, mais vous allez me dire que ça reste un laptop et que vous, en tant que créatif, vous avez l'habitude de travailler avec plusieurs écrans et que donc, ce format ne vous intéresse pas. Eh bien sachez qu'avec le Laptop Studio, la tendance est sévèrement en train de changer puisqu'il est équipé de deux ports USB-C Thunderbolt 4 avec une capacité de transfert jusqu'à 40 Go/s, ce qui est énorme, et qui vous permet par exemple de brancher deux écrans 4K pour travailler confortablement ou bien encore une bonne carte son externe, ou même de le recharger, pourquoi pas. Concrètement, vous pouvez aller au bureau avec, travailler confortablement avec deux écrans supplémentaires, ainsi qu'une souris et un clavier sans fil Surface, pourquoi pas, et le soir, chez vous, pas faire des heures sup, non, mais vous détendre avec les jeux du Game Pass. Ça peut aussi vous permettre d'être aussi à l'aise en télétravail qu'au bureau, et ça, par les temps qui courent, c'est quand même un gros plus. Petite parenthèse concernant la recharge en USB-C, j'ai essayé, et ça va quand même beaucoup moins vite que si vous le rechargez avec la charge rapide du port Surface Connect. Vous avez d'ailleurs un petit message qui s'affiche lorsque vous rechargez en USB-C qui vous dit que la recharge est lente. Mais bon, moi qui suis un peu tête en l'air, j'avoue que ça peut éventuellement dépanner si j'oublie le chargeur du Laptop Studio par exemple. Ceci étant dit, en utilisation normale, la batterie peut aller jusqu'à 19h pour les i5 et jusqu'à 18h pour les i7, donc on a largement le temps de voir venir en termes d'autonomie. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne, et vous allez retrouver la caméra compatible avec la reconnaissance 3D de Windows Hello, ce qui vous permet de déverrouiller votre PC juste avec votre visage, ainsi que deux micro-studios qui vous permettent d'être entendu de façon claire, nette et précise, même dans des environnements bruyants. Et pour ceux qui préfèrent les casques filaires, vous avez même une prise jack juste à côté du slot de recharge. Et alors justement, en parlant de son, c'est une première chez Surface, le Laptop Studio est équipé de 4 haut-parleurs omnisoniques compatibles avec Dolby Atmos. Encore une fois, je vous en parlerai dans une vidéo entièrement dédiée à Dolby. Mais vous pouvez me croire sur parole, j'ai pu faire le test avec des vidéos en Dolby Atmos, et c'est vraiment fou, on a presque l'impression d'avoir un 5.1 tellement on a la sensation d'être enveloppé par le son. En résumé, vous l'avez compris, le Surface Laptop Studio est un PC portable au design atypique, pensé pour la flexibilité et la performance. Il convient aux créatifs, aux professionnels qui souhaitent toujours être à la pointe de la technologie, ainsi qu'aux gamers. Si en plus vous avez du Xbox Game Pass Ultimate, là vous êtes vraiment au top. Et si je devais résumer autour d'une seule chose, eh bien je parlerai de l'écran PixelSense Flow de 14,4 pouces. Déjà pour son côté tactile, pour ses trois modes possibles, laptop, scène et studio, son taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, sa compatibilité Dolby Vision, sa compatibilité avec le retour haptique et sa symbiose avec Windows 11. Vous savez, ces fonctionnalités qui écartent les icônes lors du changement de mode, le retournement de l'interface en fonction du positionnement de l'écran, bref. Vous avez un cocktail idéal de performance, de flexibilité, de rapidité et de douceur. Si, si, regardez les bords arrondis, c'est tout doux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si c'est le cas pour ne rien louper de nos prochains tutos ou présentations de produits et services Microsoft. Ça ne coûte rien et nous, ça nous aide beaucoup. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao !